Reims 12e accueille Lyon 10e, 6 points d'écart entre les deux formations. Lyon sort d'une qualification en Coupe d'Europe, un but partout contre Porto. La victoire 1-0 au Portugal au match aller a donc été très importante et Lyon s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Europa League. L'OL affrontera l'équipe anglaise de West Ham dans quelques semaines. Et les Lyonnais sont les premiers à se procurer des occasions. Superbe opportunité pour Oussem Aouar. C'est sauvé de justesse par Reims. La réponse rémoise, mais ça n'est pas encore suffisamment convaincant pour venir marquer un but, la reprise de la tête du capitaine Younis Abdelhamid. Peter Bos, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, est appelé par l'arbitre. Et l'arbitre décide de sortir un carton rouge contre l'entraîneur de l'OL qui doit finir le match en tribune. Lyon va donc devoir continuer le match sans son coach sur le banc. Et Reims passe à l'attaque avec ce mouvement collectif de qualité. C'est sauvé par la défense lyonnaise. Les Lyonnais qui se souviennent qu'ils avaient été en grande difficulté lorsqu'ils avaient reçu Reims plus tôt dans la saison. Reims avait gagné 2-1 sur le terrain de Lyon avec un but d'Hugo Ekitike dans le temps additionnel de la partie pour la victoire 2-1. Ekitike est absent, il est blessé. Mais Kemal et Hornby essayent de marquer des buts, ils n'y parviennent pas. Les Lyonnais tentent également avec Toko Ekambi, Paqueta, Kanewere et Dembélé. Ça ne passe pas non plus pour l'OL. Pas d'efficacité en attaque, ni d'un côté ni de l'autre. Lyon insiste en seconde période, avec encore un mouvement intéressant. Le centre et la reprise à bout portant. Le poteau empêche Lyon de marquer. Quelle occasion! Mais ça ne veut pas sourire pour Moussa Dembélé. Le but semblait presque tout fait pour Dembélé. Peter Bos n'y tient plus en tribune car son équipe ne parvient pas à marquer et même menacée de perdre le match car Reims aussi veut gagner la partie. Sauvetage de justesse de Loukeba. Le chrono tourne avec toujours un score de 0-0, mais il reste peut-être une chance de marquer. Lucas Paqueta en action, le ballon bien remis, Aouar pour le tir, Rajkovic sauve le stade de Reims, une parade de l'épaule pour Rajkovic, il empêche le but lyonnais, c'était la dernière action de la partie et personne ne marque au final. Le score est de 0-0 entre Reims et l'Olympique lyonnais. Les affiches vont s'enchaîner.